Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling, and I'm feeling good. Stars when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Da 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 da, da di da di da di da di la la, da 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 di la, da la la. Bon, salut les amis, ça fait un petit moment que je devais tourner cette putain de vidéo depuis même le début d'année par rapport au trailer qu'on avait fait avec Daffy. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Elle me fait vibrer cette moto au même titre que la GSX-S, bah, du fait déjà qu'elle est super belle. Ah, regardez, elle a un petit shifter les gars. Regardez ça, il n'y a pas d'à-coup, c'est oh là là. Et quand je rétrograde, mais c'est tellement smooth, c'est un bonheur. C'est juste un bonheur. Donc là je vais faire un peu de ville histoire de la chauffer un peu, puisque je viens juste de la sortir de chez Daffy. On va lui chauffer un peu les pneus. C'est des Rosso Corsa 2, donc au même titre que les Rosso Corsa 3 que j'ai sur la MT. Donc je les connais un peu. Au niveau de la position, disons que on est plus en avant que sur le GSX-S, la CBR, mais pas autant que sur une grosse sportive. Ce que je kiffe sur cette moto, c'est au niveau de l'assise. Sur énormément de motos, la selle est assez grande. Tu sais pas vraiment trop comment te positionner. Tu t'avances un peu, tu te recules. Et là, tu te poses sur la selle, tu bouges pas. La selle est creusée. En gros, il t'indique la position. La selle t'indique la position. C'est creusé, c'est fait exprès. C'est juste magique. Et c'est confortable, vous voyez, j'ai pas trop de place à l'arrière, pas trop de place à l'avant, c'est juste parfait quoi. J'ai pas besoin de chercher ma position, me dire est-ce que là je suis bien, est-ce que je suis pas bien. Au niveau du poids, il me semble qu'on est à 180 à peu près, 180 kg. On est sur un petit bicylindre en plus. Bon, dommage qu'il n'y ait pas de ligne, mais d'après que ça fait... ça fait énormément de bruit, ce petit bicylindre là, une fois qu'on retire le pot d'origine, qui je trouve est déjà pas trop mal en termes de son et en termes d'esthétique. Voilà, il y a des pots, tu veux les retirer parce qu'ils sont dégueulasses. Là en sortie basse comme ça, double gauche et droite, du coup c'est super agréable visuellement. Les rétros, bon, c'est le truc que je suis pas trop fan non plus, hein, les rétros sportives, elles sont toujours énormes. Alors franchement, hyper maniable, giga maniable de fou. Un truc de dingue. Ça freine fort en plus, ça freine très très fort. Là, je suis en mode commute, donc c'est le mode où tu as vraiment toutes les assistances. Traction control, ABS à fond, anti-wheeling, parce que oui, il y a un anti-wheeling dessus. Donc c'est super bien si tu veux faire des lunge control, parce que ouais, cette moto-là, tu peux l'emmener sur piste. Par contre, pour moi qui ai des petits doigts, c'est compliqué de choper ce putain de levier d'embrayage. Regardez ça. Oh merde. Cette moto, elle te met en confiance, au même titre qu'une KTM en fait. Pour moi, KTM, c'est... Quand j'ai essayé la 790, c'est la moto qui m'a mis le plus en confiance. Jamais eu autant de confiance sur une KTM lors d'un premier roulage. Et là, c'est à peu près le même ressenti. Tu sens que tu peux faire confiance à la moto.
Elle va pas te surprendre. Ah oui, il faut qu'on parle de la selle, comme toujours. J'aime bien parler de la selle. La selle est confortable. Je l'ai dit tout à l'heure que bon, la position est agréable, mais la selle est super molle. Il y en a qui l'ont comparé à la future R7 de chez Yamaha, mais genre, mais mettez-vous des baffes dans la gueule. On est à 11 050 € pour cette petite Aprilia. Alors je sens quand même un peu que là j'ai l'avant-bras qui travaille. Si la dernière fois que je l'ai testé, j'avais remarqué un truc, c'est que ça là-haut, ça faisait un peu cheap. Ah, je crois qu'il veut me laisser passer. Merci bien. Salut toi. Et je trouvais que ça faisait un tout petit peu cheap en fait. Ça bougeait énormément au vent. Voilà, vous voyez là, genre juste avec mon doigt, j'arrive à le bouger un peu. Bon, ça reste du plastique, mais ça aurait été cool quand même, je sais pas, de le renforcer un peu plus. Parce que ça bouge pas mal, quoi. C'est le seul défaut que j'avais remarqué. Autre point aussi, il y a eu des rappels de la RS660, donc qui concernaient certains modèles. Enfin, certaines séries, donc pas toutes. Au début, il y en a qui sont passées, qui n'ont pas été rappelées, et d'autres qui ont été rappelées, je dirais, peut-être lors de la deuxième vague. Des petits soucis de biel, si je dis pas de conneries. Donc vous voyez, bon, c'est cool, hein, la marque fait un petit rappel, ils te disent pas, ben voilà, t'as acheté la moto, démerde-toi frérot. Donc ils reprennent quand même la moto, ils te changent le moteur carrément. Donc en fait, ben, ça te faisait des casses moteurs. Donc là, je les vois les gars dans les commentaires, ouais, ben, c'est une italienne quoi. On voit que là-haut c'est assez large, donc on a l'impression que j'ai les jambes écartées, mais en fait c'est super creusé à ce niveau-là. Donc du coup, j'ai les cuisses qui viennent bien s'insérer. Alors, cette moto est taillée à la perfection. C'est une italienne et les italiens ne font pas les choses à moitié les gars. Quand tu regardes Ducati, tu regardes MV Agusta, je suis désolé, ça respire la qualité, ça respire le premium. Et cette Aprilia RS660 pour moi, elle respire la qualité. Ah, elle gueule bien quand même, hein, mine de rien. Alors oui, il y a un régulateur de vitesse. Alors attends, on va essayer de voir comment ça fonctionne. Là, 110. Ouais les gars, j'ai un putain de régulateur sur cette moto. Franchement, que demande le peuple? J'avais encore jamais eu ça. C'est un pur kiff. Ah, j'adore. J'adore cette bécane. Oh là là, c'est fou. Comment je suis agile sur cette... What the fuck? C'est quoi ça? Ah ouais. Ah les bâtards. Ah vous, oh là là, et en plus ils t'ont mis 5 cm de gravier mon pote. J'ai l'impression d'être dans la neige. Allez ma titine, montre-moi comment tu te démerdes. Oh cette tenue de route, oh là là, oui. Non, pour vous dire les gars, je suis passé sur la MT-07 et que sur la MT, le châssis, on va pas se mentir, il est un peu pourri du coup. J'ai évité de sortir le genou, ce genre de choses. Et moi je suis plus, voilà, virage que wheeling. Mais là, je suis désolé les gars. Là, je passe à la caisse en fait. Je ferme ma gueule et maintenant, on va prendre un petit kiff, des petits virages sympas. On va sortir le genou, tout ça. Et puis c'est royal. Let's go ma poule. We'll be right back.
Bon les gars, du coup, petit tour extérieur de cette petite Aprilia RS660 les gars. Elle est pas magnifique. Alors il y a trois coloris. Celui-là c'est le Red Lava, Acid Gold et l'autre j'ai pas le nom, je crois que ça doit être Black tout simplement. Ouais donc c'était ça, on a du Brembo à l'avant, on a du Rosso 2 pour les pneus. Alors j'avais vu ça, donc odomètre, ok. Donc on peut connecter son téléphone, donc un peu comme sur la Shiver 900, donc ok. Musique, donc il y a la musique, on peut changer la musique de son téléphone je suppose. Sur les commandos de droite normalement on devrait avoir accès, voilà, au mode dynamique, individuel. Là on a toutes les assistances de la moto, il y en a 5. À chaque fois devant A c'est Aprilia, donc ils ont mis Aprilia. AEMC, il me semble que c'est pour le frein moteur, voilà, Aprilia Engine Map. Ça gère en fait le frein moteur, si vous voulez qu'il soit plus puissant, moins puissant, bref. Ensuite Aprilia Engine Brake, donc au niveau des freins, tout pareil. Ensuite on a l'ATC, Aprilia Traction Control, voilà ça parle de lui-même. La WC, l'Aprilia Wheelie Control, donc qui va t'empêcher en fait de cabrer avec la moto. Et tout ça, et puis ben, l'ABS, j'ai oublié de parler, voilà, anti-blocking braking system, qui est, ah, on va y retourner, qui est réglable en fait les gars sur énormément de niveaux. L'AEM 3 niveaux, l'AEB 3 niveaux. Par contre le traction control les gars, il est réglable sur 4, 5. 6, 7, 8 niveaux, c'est vraiment énorme, c'est vraiment énorme. Là où sur d'autres motos ils t'en proposent seulement 3, tu vois, un mode off, un mode on va dire normal en temps normal et un mode rain, là t'as 8 niveaux. L'Aprilia Wheelie Control, donc tu peux totalement le désactiver, voilà, off, on. Putain, il en fait un bruit lui. C'est que la ligne se marie super bien avec la moto. C'est le seul truc dommage, c'est qu'au final quand tu changes la ligne, ça te laisse un gros espace en dessous. Mais j'ai vu qu'on pouvait acheter des sabots moteurs beaucoup plus grands pour cacher en fait ces petits espaces qu'il y a en bas. Ça aussi, petit point. Ouais, parce que ça, je pense qu'avec les jambes, ça a tendance à venir frotter. Et du coup, ça te laisse des grosses marques. Donc là, on voit quand même que ça s'est bouffé. Mais ils mettent une petite protection. Hein. Ça, ce qui est bouffé là, c'est la petite protection. Voilà, petite signature LED. Il y a des feux aussi de direction, c'est-à-dire ça va éclairer un peu plus à gauche ou à droite en fonction de ton angle. Vous voyez la petite jauge d'essence qui est là, la température, 28 degrés extérieur, bon, le contour, les kilométrages, voilà, c'est clair, c'est sur fond blanc, c'est visible. Faut pas chercher midi à 4h, c'est simple, facile à comprendre. Tellement de choses à faire dessus, c'est impressionnant. Il y a tellement d'équipements, tellement de possibilités, c'est fou, cette moto elle évolue avec toi. C'est tout mignon ça. Voilà, regardez, hop, les LED qui s'allument, qui s'éteignent, feu de route. C'est génial. Alors j'ai rien, ah, je peux pas vraiment le voir. Ah, déjà, on a le contour qui passe sur le fond noir. C'est sympa, et qui repasse au blanc. Donc je pense que normalement, les feux de croisement doivent se mettre automatiquement. Je vois juste le symbole auto, mais ça déjà c'est sympa. Je l'avais sur la... Et il était déjà sur la Shiver. Quand t'es de nuit, tu vois, le blanc, bah, ça te flash un peu la gueule le soir. Et là, le fond noir, bah, voilà, ça vient apaiser un peu le truc. Si la vidéo t'a plu, tu peux me le faire savoir, soit dans les commentaires, soit tu me lâches un petit like ou un dislike. Si la vidéo t'a pas plu, c'est aussi une façon de dire que t'as pas aimé la vidéo. Je fais pas souvent de tests, mais quand j'en fais, en général, c'est que c'est des motos qui me plaisent énormément. Si vous voulez que j'essaye d'autres motos, vous me le dites en commentaire. On se dit à la prochaine, j'espère que vous avez kiffé avec moi, et salut. Mec, un bonheur.